toi? Hello. Moi, c'est Kali. Et toi? Dis-moi, est-ce que tu es bien installée? Parce qu'on va lire une histoire qui va être incroyable. Et pour ça, je veux que tu sois le plus à l'aise possible et surtout prêt à te détendre et pourquoi pas même t'endormir. J'ai une histoire incroyable pour toi. Est-ce que tu connais la Reine des Neiges? Frozen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons lire l'histoire ensemble. Regarde, j'ai le livre avec moi. De la Reine, tu vois, la Reine des Neiges. J'espère que tu es très bien installée parce qu'on va lire cette histoire du début à la fin sans en manquer une seule minute. Tu es prêt? Aussi.
Son reine. Maligne, elle offrit de lui acheter tout ce dont il a besoin.
j'espère qu'ils y arriveront. La courageuse Anna aida Christophe à repousser la meute, mais les loups étaient si nombreux que Sven dut sauter par-dessus une crevasse pour leur échapper. Leur traîneau alla s'écraser en contrebas sur les rochers. Heureusement, sans ses passagers. Grâce à l'exploit du renne, les trois amis furent sauvés. Là, on voit les loups qui les poursuivent. Là, ils ont dû s'arrêter parce qu'il y a une grande crevasse que Sven a dû sauter. Et le traîneau qui tombe au fond. Et ils essayent de retirer. Celui qui venait de parler n'était autre qu'un bonhomme de
Décidèrent alors de la conduire auprès du grand amour de sa vie, le prince.
sa faute. Elle demanda à voir Anna, mais Hans lui répondit qu'elle n'était pas là. « Fais revenir l'été, lui ordonna-t-il. Seulement Elsa ne savait toujours pas comment faire. » La pauvre, elle enchaînait, regarde. Anna, Christophe et Olaf atteignirent bientôt le château d'Arendelle. La princesse s'affaiblissait et le jeune homme était terriblement inquiet. Elsa ne pensait qu'à s'enfuir. Elle restait convaincue que c'était la seule manière de sauver son royaume et de protéger sa sœur. À force d'y penser, elle ressentit une telle colère que le donjon où elle se trouvait prisonnière gela. Ainsi la reine d'Arendelle put s'échapper.